Génial! Ça n'a même pas corrigé ni les couleurs, ni les. ça n'a même pas enregistré ni les couleurs, ni les, comment, les dernières modifications. Eh bien écoutez, salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, nous n'allons pas retoucher à ce robot. Je pense pas qu'on va y retoucher. Bah si, on est obligé d'y retoucher. Ah, oh, c'est chiant! Bon bah, écoutez, je pense que je vais pas vous embêter. Avec ça, hop. Je vais le mettre. Oh, c'est chiant quand même. Alors là, c'est franchement chiant. Honnêtement, c'est franchement chiant. Personnellement. Si ça faisait ça sur un serveur. Si ça faisait ça sur un serveur Starbound, par exemple, je pèterais une durite. Parce que voilà, ce n'est pas censé le faire, chers amis. Tout simplement. Ce n'est pas censé le faire. Ça n'a sauvegardé ni les couleurs ni les derniers changements que j'ai fait sur le vaisseau. Si ça, c'est pas stupide. Ok. Hop. Et hop. La suite. Hop, peux-tu me laisser passer à travers le canon, s'il te plaît, merci. Hop. Non, ça c'est pas beau. Voilà. Même là, ce que j'avais fait à l'avant a été supprimé. Bah. Est-ce que je vous le passe ou est-ce que je vous le passe pas? Est-ce que j'en ai pour longtemps ou est-ce que j'en ai pas pour longtemps? Telle est la question. Telle est la question. Telle est la question. Hop, si je fais ça. Hop. Et qu'ici, je place ça. Est-ce que ça correspondait plus ou moins à ça, ou je sais plus, moi. Hop. Je sais plus à quoi ça correspondait exactement, c'est pour ça, c'est là qu'est le problème. Moins que si je pouvais placer un petit ici. Je pouvais. Ok. Limite, je pouvais pas le placer aussi... ici. Et voilà. Hop. 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 Nous voilà avec une légèrement meilleure armure. Sachant qu'ici je ne peux pas mettre un truc comme ça. Ok. Hop. Et apparemment il y a un truc qui ne va pas. J'étais censé pouvoir mettre ça. Ou alors c'était comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. On va le mettre tout en orange. Tout en noir avec un tout petit peu d'orange. Marc. Par exemple, les intérieurs. Enfin, les parties internes, entre guillemets. Bah. Ah oui, non, ça c'est de la... D'accord. Hop. Si on fait ça en mode... Il manque un cube ici ou c'est moi? C'est moi. C'est moi, c'est moi. Ici. Il en manque un aussi. Une légère touche d'orange, c'est vraiment très léger pour le coup. Hein. Mais bon, on va faire ça comme ça. Pour le moment. Est-ce qu'on garde le bleu au niveau des... Oui, sur le principe, oui, on peut. On avait mis gris aussi au niveau de l'armement. Et les différents compos. Hop, ok. Et au niveau du bleu, il n'y avait pas autre chose qu'il fallait que je modifie aussi. Ah, si, exact. Il y avait ça. J'en avais placé quelques-uns, il me semble. Ici. Mais je suis pas tout à fait sûr. Des emplacements, si c'était ça. Ça devait être ça. Ok. Bon, bah écoutez les amis, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en game avec lui. Et on va bien voir si oui ou non, il est efficace. Team Deathmatch. Team Deathmatch, Team Deathmatch. Et puis on va y aller. Hop. Et bah dis donc.
Bien joué, Robocraft, hein. Suppression de données, carrément, hein, de données de jeu. En plus, c'est pas comme si j'avais fait Alt-F4, il me semble de mémoire, j'avais fait quitter le jeu. Il m'arrive de faire Alt-F4, et là, je me dis, bon, bah, c'est de ma faute, et du coup, je corrige derrière, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai fait Alt-F4 comme un con. Mais là, non. Là, non. Je suis désolé. Il y a des limites. Il y a des limites. Ok. L'objectif étant de nous mettre sur celle-ci, de mémoire, hein. Et on devrait être suffisamment bas une fois qu'on est crouche pour nous planquer dans la zone là-bas, tant qu'elle n'est pas corrigée. Le principal souci étant de pouvoir réussir à nous y placer. Alors. Hop, j'ai pas réussi à toucher son snipe. C'est véritablement dommage. Oh mais mince. Ok. Ah. Un Tesseract. Il ne m'avait véritablement pas manqué celui-là. Hop, allons-y. On est censé pouvoir grimper par là. Non ? Hop, allez Marcus, tu peux le faire. Alors, peut-être qu'il m'aurait fallu rajouter des propulseurs. Peut-être qu'il aurait fallu que je rajoute quelques propulseurs pour pouvoir me déplacer correctement. Appeler. Ah, il m'aurait fallu rajouter des propulseurs apparemment. Il aurait fallu que je rajoute des propulseurs. Hop. Et normalement, je devrais être efficace dans la montée. Hop les. Parfait. Hop, il va essayer de s'approcher avec ses canons. Ah, ils m'ont tous vu. Hop, les. Bon. C'est un coup à prendre. Hop. Et où sont mes copains en fait là depuis le début, parce que je comprends pas. Oh, je suis même pas devant lui. Mes copains. Alors je suis à mon spawn mais il n'y a pas un seul de mes copains. On se prend un 5-0, un 5-1 pardon. Hop, vengeance. Raté. Et nos alliés qui passent devant. Hop. Aïe. Foutu de Tesseract. Alors apparemment c'est pas des Tesseract, vous les appelez autrement vous chers amis, ou j'ai pas trop compris le principe. Ok, je l'ai raté. Raté encore. Touché. Touché. Raté. Touché. Touché. Par contre j'aimerais bien qu'on me... Je comprends pas, elle est très bizarre cette équipe, hein. Tout le monde joue dans son coin.
Je crois qu'ils ont pas compris le principe de ce gameplay. Oh mais merde. Ouf. Hop. Parce que là on est à 4-9, on donne des kills, voilà, alors le mec avec le truc là, il va dedans. Ça bourre. Hop les. Merci de bien vouloir décéder. Crac. Oh. Ouais, j'ai entendu parler de ces machins là, normalement c'est censé aller vite. Ah, je suis stupide. Je gaspille mes tirs. Hop. Hop. Et voilà. Ouais, génial. J'ai reach the next level. Mais tous nos potes, je sais pas ce qui branle là-bas. Bah oui, faut. Non, bah non, c'est stupide. De farmer leur spawn, c'est stupide. Tu peux m'aider? Un tesseract d'intérieur, voilà autre chose. Hop, parfait. Bon, au moins j'en donne pas 5. Hein. Hop. Hop. Ok, qu'est-ce qui m'a fait autant de dégâts? Une saloperie de Tesseract. Oh mais merde, je suis mauvais. Hop. Alors là par contre ça touche pas, je comprends pas. Hop. Là j'étais mauvais. Faudrait éviter d'aller donner les kills, cela dit. Hein. Ah, il est en full régène encore lui aussi. Hop. On va passer à ça. Hop, et nos potes sont passés tous à l'assaut. Du coup, je me retrouve tout seul. Non, c'est bon, on a un copain avec nous. Hop, merci. Ah, mince. Allez, un tir! Voilà! Réduit de moitié. Ah, mais c'est rack! Boum! Boum! Crac! Voilà. Crac, crac. Aïe. Raté. Putain, il me saoule.
Non, je te laisserai pas régène, t'es fou. T'es fou. Je te laisserai pas régène. Hop, et voilà. On est à 17. Il y en a qui donnent. Hein. Oh la vache, zombie broker. Ah bah, c'est... Ouais, non, c'est pas lui le heal. Par contre, ouais, V94 Robocraft. 7-6. Oh la gueule. Team defeated. Mais non. Oh là 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 là. Bon bah, c'est pas grave. Première partie perdue. Ils ont beaucoup donné. On n'a pas réussi à se placer là où on voulait, mais cependant on n'a pas été si inefficace que ça. Ce qui ne me dérange pas en soi, du coup. Génial. Ok. Pourquoi pas. Bon, bah la suite. Level up, 140, parfait. Faudrait vraiment qu'on atteigne le niveau 150. Du coup, on a 28 flops supplémentaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec 28 flops? Normalement, non. De mémoire, je vois rien. De toute façon, qu'il est possible qu'on modifie le truc là en dessous. Je sais pas si je peux mettre autre chose comme armement. Imaginons que je veux y mettre, par exemple... Ah, j'ai séparé... Oui, j'ai mis mes méga là-dessus, en attendant. Ça, c'est un robot qui va venir plus tard, chers amis. Hop, on a plus qu'à voir si oui ou non il est efficace. Oui, bien sûr. Rentre dans le mode. Hop. Crac. Nous allons bien voir si oui ou non de cette manière il sera plus efficace. Bon, ça fait un petit peu canon pénis en dessous, hein. Je dois reconnaître que là, pour le coup... on l'a pas peint. Crac. Et on y va. On y retourne. On va bien voir si oui ou non il est plus efficace comme ça. Est-ce que les Locon Missiles étaient vraiment nécessaires en fait? Est-ce que mettre ce genre d'équipement en dessous ne va pas le rendre plus polyvalent en combat rapproché? Enfin, plus efficace en combat rapproché. C'est là que ça devient intéressant. Parce que vous avez pu voir que quand on était au contact, il fallait que je fuis, il fallait déjà directement que je recule. Ce qui en soi n'est pas un problème. Mais juste, voilà quoi. Je suis pas à même de me défendre de manière efficace quand on vient me voir. Ce qui pour un sniper n'est pas bon. Vu que le principe du sniper c'est qu'il est très efficace à longue portée. Mais à courte portée, une fois qu'il est repéré, en fait, les gens viennent le voir à courte portée. Oui, parce que l'avantage des armes à feu, chers amis, par rapport au CAC, hein, c'était toujours été, bien sûr, la portée d'attaque. Si t'arrives à tirer... Alors, je crois que c'est une personne peut faire 6 mètres en moins d'une... Jusqu'à... En gros, 6 mètres en une seconde, je crois, un truc comme ça. Une seconde 5. Je sais plus. Donc voilà, ça met dans l'ambiance, quoi. Belle tentative. Ah si, on aurait peut-être pu mettre des boosters. Hop. On commence à prendre le coup, hein. Merde, pourquoi je recule? Monte. Hop. Ok. Merde, c'était les deux canons de devant peut-être. Non, alors. Ça y est, je suis bon. Ça y est, je me suis penché en avant en fait. Hop. Dommage, j'ai pas eu le kill. Je suis mauvais. Crac. Trop long. Faut que tu touches les deux, mon pote, hein. Attendez, il y a lui là-bas. Boum. Boum.
Dommage. Ah, je pars par là. Crac. Je couvre bien ma zone, je suis content. En full régène déjà. Déjà en full régène. Faut que j'y pense avant de tirer. Sinon ça dévoilerait ma position. Alors. Où est-ce qu'ils vont tous? J'ai cru voir un tir rouge. Dans ma tête peut-être. Hop. Alors. Allez-vous oser sortir? Ne donnez pas les kills, hein. Je vois que ça donne dur. Merde, repéré. En espérant qu'il va venir essayer de monter. Et là, ce sera la catastrophe pour lui. Hop. Crac. Hop. Hop les. Contact. Non, je te laisserai pas régène. Toi, je te laisserai pas t'envoler à nouveau. Merde. Comment est-ce qu'il a de défense sur des machins, lui? Ça touche! Ah putain, ça touche pas. Oh! Touché. Touché. Boum. Du coup, ils viennent plus par là, malheureusement. Je l'ai eu, je l'ai eu. GG. Niveau dégâts, vous voyez que je suis pas mal du tout. Par contre, il n'y a plus personne qui vient de ce côté, quoi, du coup. Hop. Raté. Ah, je suis vexé. Rater ce tir, c'était vraiment moche. Hop, ils vont la voir. GG à eux. Putain, mais arrêtez de donner les kills. Hop. Je pense que ça semble logique, non? Hop. Ils ont de la régène. Ah, ils ont eu mon... Hop. Ok.
Moi j'ai fait ce que j'ai dit, hein. Je fais ce qui me semble bon, hein. Après je me trompe peut-être, hein, mais il semble qu'un travail d'équipe est bien meilleur. Hop. C'est truc d'aller donner les kills. C'est pas bête, hein. Et non, lui il va donner là-bas, voilà, il donne. Hop. Voilà. On m'appelle Overwatch, littéralement. Et pas en rapport avec le jeu, hein, mais c'est parce que c'est le... Je crois que c'est la sentinelle ou celle qui regarde... Ah merde, j'ai pas eu le temps de le... Voilà. Bon, ça serait bien que ça soit pas possible, en fait. Mais bon, c'est bien de continuer à donner les kills. Ok, lui il a complètement disparu de mon radar aussi. Bon, allez, je bouge. On a 3 kills de la fin. C'est clair qu'on a perdu cette partie. Hop. C'est clair qu'on a perdu cette partie. Allez, donnez un 18ème. Hop. Crac. De toute façon, on a perdu. On a perdu parce qu'ils ont tous donné des kills. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Eh ben écoutez, c'est double défaite, chers amis. On a beau être deuxième aux quantités de dégâts, ou troisième, je sais plus, j'ai pas fait attention. Il y en a qui ont beaucoup donné. Mais je suis content de voir qu'on n'a pas donné tant de kills que ça. Oh là 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 là, une silver pleine de verte. Ok. Eh ben écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Pas trop lien derrière la chaîne, dans la chaîne, pardon. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et on va trouver un petit nom quand même. Le... Celui qui ne donne pas, donc le... Ungiver. Ungiver. On va dire ça, celui qui ne donne pas. J'imagine que ça va. Je sais pas si ça se dit comme mot. Enfin bon, c'est pas grave. Salut !